Madame et messieurs, bonjour et bonsoir, comment nous y est? Pas oublié ou ce Chanel Paola, Chanel l'homme et foi. N'a profité de monsieur, bon Dieu, grand maître là, pour grosse opportunité, libre à moi, libre à vous, pour nous ensemble dans chaque vidéo. Malgré nous que semaine ça qui passe, nous pas une chance de poster vidéo, mais c'est pas un bagage qui nous fait pas espoir, c'est à cause nous te gagnons examen pour nous réaliser l'école là, eh bien, ça fait nous pas capable de une chance pour nous poster vidéo. Pour nous être capable de porter quelques informations qui sont utiles. Mais grâce à Papa Bon Dieu, nous sommes toujours là, nous sommes toujours à chercher bonnes informations confirmées pour te pour. Et vous-même qui avez écrit nous, nous disons merci parce que vous faites nous sentir travail là, manquer. Nous sommes toujours là pour nous chercher des informations qui pourraient aider et servir. Dans la vidéo, ça, nous allons parler sur la question voyage. Comment voyager? En plus, nous avons demandé pour vol Brésil, Haïti. Qui les vols à rebalancer? En plus, le monde qui est tête chargée. Parce que il y a un peu de monde qui a un visa au Brésil, là, non, mais qui presque expiré. Il y a un monde qui est déporté. Il y a un monde qui a une résidence qui presque expiré. Il n'y a pas d'arrêt, mais il y a expiré depuis Haïti. Et mes amis, ou même qui sont vidéo, n'a pas de patience. Pour capable de garder vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à présent, le moment où on a parlé là, pour qu'on ait aucun date vol qui confirmé pour bon côté PAM. Et tout, nous faisons plus de recherche. Pour qu'on ait aucun ligne avion qui en décision ou bien qui ait autorisation pour aller à Haïti. Mais nous connaissons ça, c'est qu'on a parlé, tout le monde est capable, ok, tout le monde est capable dans la place, ou dans des vols programmés pour tel jour. Ou même qui a un visa expiré dans la main, ou pas besoin de faire tête chaud, ou pas besoin de courir à mettre visa dominicain qui c'est 50 000 gouttes dans le moment où on a parlé là, qui est 500 dollars américains. Faut qu'on gagne pour mettre un visa dominicain ou pas besoin de trois crasés corps parce que ce domaine bail en pile problème avec compatriotes haïtiens qui essayaient voyager dans le moment où on a parlé là. En République dominicaine, en pile haïtien perdu vol, en pile haïtien tout souffre quelque traitement raciste. Dans la minute ça, c'est vraiment compliqué. Ou même qui sont déportés ou pas gagné un sorti sous passeport. Ou voulez prendre chance sur Saint-Domingue, faites un peu attention. Mettez dans tête tout, ou capable réussir, ou capable pas réussir. Parce que nous avons plusieurs personnes qui entrent en contact avec nous, qui souffrent. Et nous avons plusieurs clients qui essayent de passer par Saint-Domingue, sortir du Brésil. Depuis l'aéroport de São Paulo, Guarulhos, nous avons eu plus de difficultés pour entrer en République Dominicaine. Si toutefois, vous voulez aller à Haïti, ou passer par Saint-Domingue, checker une agence de voyage ou connaît là où il veut airport là ou est capable reler à n'importe où reler là capable répondre nous pour aider parce que gen parfois là où il veut airport là pour voyager yo mande ou yon l'autre document si toutefois ou pas gen une bon agence qui règle voyage ou pour ou quand même perdre vol ou Zanim, je veux que nous pas courir à mettre visa dominicain pour nous passer Saint-Domingue pour nous venir Brésil. Parce que quand plus mauvais traitement, yo bay haïtien, gen haïtien qui même joine arrestation, yo di résidence pas pour yo, résidence pas bon, visa pas bon, zanmim ou même captain yon vol Haïti Brésil, ou capable toujours prendre patience. Parce que vol ça yo pas capable camper. Parce que gen pil moun captain vol si la. L'autre information nous pote pour vous, gen pil moun ka pose question sur regroupement familial ou bien processus judiciaire pour entrer yon famille sans visa. Est-ce que vol sa yo même yon pas fait? Bon, pour le moment, poko gen vol. Mais quand même, ap gen yon vol parce que tout moun sa yo qui autorise pour yon vini, ap gen demach kap fait la. Pour jouer un avion à chercher mon saïo. Et dans la minute de parler là, il y a tout le monde qui a gagné autorisation yo nan men pour famille yo vin jouer dans le pays Brésil. Ou même qui a processus ou qui en cours, ou capable toujours consulter avocat ou là, ou bien mon capé de ou là, ou mettre prend patience si toutefois le pour sortir, parce que c'est un processus qui est réel. C'est un processus qui même sous gros chaîne télévision dans le pays Brésil. Comment haïtien yo envie venir ensemble avec famille yo ambassade là pas ouvri en plus haïtien gen pile temps yo pas capable wè famille yo c'est seulement pas moi un processus ça qui capable faciliter yo entre famille yo ou même qui en dans processus là même si yo te dit ou 2 mois
Malheureusement, ou pour qu'on joue une autorisation, ou capable de mettre mes sous kèw, prends patience. Parce que dans la minute n'a pas de la processus en pile. Mais bien peut-être, ou capable de mes si Dieu veut, c'est capable de jouer par là pour nous jouer une autorisation pour nous venir jouer. Depuis que nous avons processé cela, toujours mettez un petit corps pour n'importe quel. Vous téléphonez pour date vol pour capable jouer un corps pour payer billet d'avion. Nous pas kembe en pile, n'a quitté ou là ou même quitté pour patience qui garde vidéo ça jusqu'à la fin. Nous disons merci et n'a quitté ou avec reste vidéo à côté ou après comment compatriotes haïtiens nous yo a crié à plaindre et gros chaîne télévision ici passer message là faire connaître qui situation terrible que en pile haïtien a vivre dans le pays d'Haïti et nous-mêmes qui vivons dans le pays Brésil, comment nous avons envie d'entrer en famille dans le processus judiciaire. Zami m'arrête sous vidéo, nous aimons en pile. Ou même qui peut vous abonner avec la chaîne, faites ça cool. Restez connecté, très bientôt, nous venons avec une autre vidéo. Deixar o seu país para trás em busca de uma vida melhor é uma decisão muito difícil, mas para algumas pessoas não há outra opção. Um grupo de haitianos que já está no Brasil há alguns anos agora tenta trazer os parentes para cá. O Haiti foi castigado este ano por um terremoto e sofre com a crise política e econômica. A Mirelle veio para o Brasil em 2018, fugindo da pobreza no Haiti. Conseguiu emprego em Curitiba e agora quer trazer os dois filhos que deixou com a mãe lá no Caribe, mas não consegue o visto para as crianças. Tá difícil com a mãe. Eu preciso trazer. O drama aflige dezenas de haitianos que imigraram para o Brasil, deixando as famílias para trás. E o jeito foi entrar na justiça. Nas ações, para trazer principalmente os filhos, eles alegam que o Haiti enfrenta uma grave crise política, econômica e social. E que, em consequência, a embaixada brasileira em Porto Príncipe tem excesso de demanda por vistos temporários. Os pedidos são intensificaram, dobraram, triplicaram de tamanho. E eles não estão conseguindo dar conta de tudo isso. Só um escritório aqui de Curitiba tem 600 ações parecidas na Justiça Federal de 8 estados, incluindo o Paraná. Mas até agora só conseguiu 53 decisões favoráveis. Segundo os advogados, os juízes têm entendimentos diferentes sobre o assunto. A gente tem que respeitar a nossa legislação, né? Mas se a gente pegar o caso concreto e tudo o que está acontecendo é uma questão humanitária, é uma questão de vidas. Só este ano, quase 400 haitianos conseguiram liminares para entrar sem visto no Brasil. Eles desembarcaram em Campinas, interior de São Paulo, e em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Como não há voos regulares do Brasil para o Haiti, os imigrantes viajam em aviões fretados. Em Curitiba, a esperança do Belki é reunir a família de novo no Brasil. Ele trabalha em dois lugares para juntar dinheiro e trazer os filhos que vivem com parentes, todos desempregados. Ajuda a nós, ajuda eu, porque estou precisando demais. E estou sofrendo demais, sofrendo muito. A chamada de vídeo era para matar a saudade das crianças, mas só aumentou o sofrimento dele. Sabe o que ela falou para mim? Ela está com fome. Falou isso agora? Sim, ela fala para mim, está com fome. Imagina, como eu vou comer? Muito dolorido para um pai ouvir isso, né? Sim, muito dolor mesmo, muito dolor mesmo, muito dolor. O Ministério das Relações Exteriores informou em nota que a Embaixada do Brasil em Porto Príncipe tem recebido uma demanda crescente por vistos de haitianos para o Brasil e que tem atuado constantemente para aperfeiçoar e dar agilidade ao processamento de pedidos de vistos de acolhida humanitária e de reunião familiar, sem descuidar do cumprimento das normas migratórias brasileiras.